Et nous sommes de retour pour plus de War Tales. Alors, nous sommes ici, à Loge Vide. Apparemment, j'ai pas vraiment fait attention qu'on pouvait mettre plus de blé. Apparemment, il y a un peu de blé dans Loge. Donc voilà. Tada! On a un poney. Je suis allé regarder sur Internet pendant genre 40 minutes, j'ai cherché. Et je voyais des gens qui récupéraient le poney direct. Je me dis, comment ils font? Comment ils font? Mais en fait, c'est parce qu'ils mettent plusieurs fois du blé. Honnêtement, j'étais sûr qu'il n'y avait plus l'option, en fait. Mais du coup, en fait, elle était grisée parce que j'avais pas de blé sur moi, je pense. Et du coup, dans ma tête, ça voulait dire que c'était fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut plus en rajouter parce qu'en plus, ça dit il y a un peu de blé et tout ça. Donc pour moi, je pensais que c'était fait et que voilà quoi, il fallait attendre ou faire quelque chose. Et puis en fait, non, il fallait juste en rajouter. Le poney s'est manifestement échappé d'un champ de bataille, il semble vouloir vous suivre. Yay, bénévole et sommeil lourd. Wow, super. C'est un poney niveau 3. Donc, du coup, ça nous ferait un poney en plus. Donc ça, c'est un poney gratuit. C'est un poney gratuit. C'est bas niveau parce que c'est en rapport avec la zone en fait. Donc c'est pas intéressant, on va le virer. On va pêcher, tiens. Mais voilà, donc ça c'était une quête à faire. Oula. Que j'ai. Qu'apparemment, voilà, j'ai complètement mis à côté. J'avais pas compris qu'il fallait, il fallait en rajouter deux fois en fait du blé. Faut faire deux fois trois. Si je me rappelle bien, la première fois c'était aussi trois. Donc il faut faire deux fois trois. Et après, vous avez un poney gratuit. Donc ouais, on aurait pu avoir un poney gratuit, c'est bête. Il y a quoi en tout? Il y a deux poneys gratuits du coup, en tout, je crois bien. Celui-là, et après celui qu'on gagne quand on fait le jeu avec la balle, là. Je crois. Ça fait deux poneys gratuits. Donc du coup, loge vide, fini. Cheval noir, fini. C'était ça. Voilà, c'était bien, hein? Je trouve ça un peu bête, par contre. Je crois que c'est la première fois dans tout le jeu, c'est la seule quête qui est liée en fait à deux quêtes au final. C'est lié à deux endroits. Alors après, peut-être qu'on peut aller leur parler et leur dire que c'était un cheval et tout ça, machin. Ouais, on peut peut-être aller leur parler avant de le jeter, le cheval. Mais on va le libérer, hein, le cheval. On en a zéro utilité et tout ça. Mais ouais, j'étais donc bloqué sur un truc tout complètement con en fait. Voilà. Un truc complètement bête. On va faire nos mecs qu'on doit tuer. C'est bête qu'on puisse pas vendre les chevaux. Ça serait vachement bien aussi. Une option pour vendre le cheval. Après, on peut en manger, hein, mais bon. Enfin, pour nous, les Français, enfin en Europe, j'ai envie de dire, c'est normal, mais bon, après, genre en Amérique, ils mangent pas de cheval et tout ça. Voilà quoi, bref. Voilà. C'est peut-être pas répandu, mais au moins le vendre serait bien. Le vendre serait intéressant. Hop. Russe en plein milieu. Okay. Liège, Will. Let's go, Will. Vas-y, on va détruire des cons. Et sur le coup, j'ai même pensé que moi, c'était buggé un moment quand j'ai vu une vidéo. J'ai vu le mec, il a directement récupéré le poney. Je me suis dit, bah, j'avais loupé un truc. En fait, non, il l'avait fait deux fois. Il avait bien mis du blé deux fois. Donc ouais, on n'a pas eu de bug pour le moment. J'ai des gens... J'ai vu des gens qui se plaignaient de certains bugs. Mais nous, on n'a pas eu de bug. Il y a aussi une clé qui nous manque. Je la montrerai après. Il y a une clé qui nous manque, je sais pas comment on la récupère. Peut-être qu'on va la récupérer du coup avec les gens là.
Mais je crois qu'il nous manque une clé. Pas les clés dorées, les autres là. Ça, je sais pas comment la récupérer encore. C'est un peu compliqué, il n'y a pas trop de... Honnêtement, il y a très très peu de guides sur ce jeu. Il y a très peu de gens qui sont arrivés... genre qui font beaucoup de choses sur ce jeu, quoi. Quand misérable, est-ce qu'ils ont quelque chose? Ouais, yes, on est plus recherché, ça fait longtemps. Alors... on l'a vu, le cheval noir était là, juste devant la porte de la pêcherie. Si vous voulez rester en vie, oui, évitez, ok, ça marche. Ok, ok. D'accord, super. Super, merci les mecs. Merci les mecs. Un truc qui pourrait faire, qui serait intéressant, c'est rendre les chevaux comme ça, ou les trucs qu'on récupère, spéciaux. Ça pourrait être pas mal. Je suis retourné par contre à Corsia vite fait, si je passe à côté. Du coup, je me suis réparé tout. Ah tiens, on va prendre ça. J'ai réparé mes choses et tout ça. J'ai regardé s'il y avait des quêtes, il n'y a pas de quêtes. Pas de quête intéressante en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Non plus. Non plus. Bon, bah du coup, non. Rien du tout. Combattre. Ouais, on va jeter le cheval, hein. Ça nous sert à rien, on a déjà nos 10 chevaux. On a déjà nos 10 chevaux. Donc on n'a pas besoin d'en avoir un 11e, honnêtement, hein, ça va. Ça va, ça va. Elle, j'ai un peu envie de la changer, mener, avec la fureur, l'enlever, la fureur, et utiliser le l'arrêt avec les pics, là. Cette attaque à la place, je sais pas, le mur de lance, le mur de pique, un truc comme ça. Voir si ça peut faire plus de dégâts ou pas. Lui non, lui on change rien du tout. C'est trop utile, tout ce qu'il a. Il fait trop mal pour que... Faut qu'il soit agressif lui. Faut qu'il soit passif en fait. Ah les mecs ils veulent pas abandonner, c'est chaud. Ils veulent pas du tout abandonner. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a récupéré comme truc? Chaque fois qu'un animalier meurt, cette unité gagne. On a tué tout le monde du coup. On a tué tout le monde. Le poids. Le poids il est lourd. Oups. Le poids il est lourd. Ok, très bien.
Donc on a fait tout ça. Il nous reste donc les rats et ça, le souvenir enfoui. Et je sais pas où récupérer cette clé. Je sais pas où récupérer cette clé. Ça m'embête par contre. Donc ça, je pense que je vais encore refaire une pause et faire le tour un peu d'internet pour trouver. Il y a des gens qui disent qu'on a assez de clés normalement hein, dans le jeu. Mais c'est un peu compliqué entre la traduction à l'anglaise pour voir le nom des clés et tout ça. Et les endroits, c'est... Ben voilà quoi, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Et c'est sûrement un endroit qu'on a déjà vu en plus. On est déjà allé. Et j'ai dû louper la clé, tout simplement. Mais est-ce que j'ai loupé la clé de cette contrée ou d'une autre? C'est ça le truc, le problème. Voilà, c'était sympa. C'est un peu ça le problème. Ça, du champignon, ça c'est bien. Ça, on touche pas, il nous faut le miel. Est-ce qu'on va avoir assez ou pas? Manger les humains. Les carcasses, c'était quoi? C'était 15. Du coup, ça fait 30. Pour en manger 5, du coup. On va en garder 30 pour faire 2 remèdes. Comme ça, on pourra en mettre 2. Pour en utiliser 2. On a un truc de porc à faire. C'est quoi ce qu'on faisait là souvent, là? Haricots, moutons. Non. Ragoût de porc, c'est avec des haricots. Faut que j'arrête d'utiliser les haricots. Parce que ça c'est vachement bien. Bon après ça court les rues quand même les haricots, donc ça va. Ouais, le prochain repas, on se fait un sanglier. Hein. Carpe grillée. Ah ouais, le prochain repas, il y a un sanglier qui y passe. Okay, nickel. Bien, bien, bien. Alors, je pense qu'on va faire. J'ai bien envie de faire les rames maintenant. Comme ça, on fait quelque chose. Puis après, je verrai pour trouver la clé qui manque. J'espère que c'est une zone qu'on a déjà vue. Mais bon, enfin, je vais refaire le tour du. Ça, par contre, refaire le tour de la carte, c'est un peu embêtant parce que. Du coup, ça veut dire que bah, vous allez perdre des ressources et tout ça, quoi. Tout cas, on peut faire ça. Oh, sans déconner, quoi. Je peux faire annuler. Et. Ah oui, non, je peux plus redemander. Ouais, non. Bien ce que je pensais. Ouais, non, ils ont pas fait un système. Ok. Très bien. Faudrait du miel. Ah, place du marché. Du sel, on a. Yes. Corde. J'avais complètement zappé ça. Ok. Peut faire un remède. Apothicaire.
Para. Ok. Donc, Tira. Alors, on pourra faire un deuxième quand on récupérera plus de miel, le temps que ça se renouvelle les choses. Yeah, let's go. À part, et qu'est-ce qu'il nous faut du coup? Enfin, qu'est-ce qu'il nous manque là? Il nous manque 9 de miel, ça va. Ça va très bien. Notre poids est très potable, puisqu'on a bouffé les cadavres. Ouais, si on garde 5, 10 cadavres à peu près, parce que là, avec notre poids, avec notre charge, si on garde 10 cadavres, ça va, ça passe. Après, si on enlève les sangliers, ça va faire 20 de moins. Ouais, non, ça passe, honnêtement. Après, on mange. Ouais, non, non, ça va. On va se débrouiller. Et comme j'ai dit, il nous faudrait plus de fer à cheval. Les cordes, on en a un peu. Oh, attendez. Ouais, des fois, les objets, comme j'ai dit, se mettent pas ensemble. Nickel. Niveau torche, on peut crafter des torches, parce que je sais que... Ah oui, il y a croix serrée maintenant. Coup critique contre les cibles saigne augmente 10%. On peut en faire un, histoire de... Projectile de qualité. Ah, résistance à la terreur, c'est vrai. J'avais oublié ce truc. Peut les faire, c'est juste, c'est vraiment pour la connaissance en fait. Si on a tellement de trucs qui sont un peu inutiles. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même inutiles dans le jeu. Enfin, j'en sais rien, c'est pas vraiment vrai. C'est pas inutile. C'est juste qu'il y a des choses qui sont nettement plus utiles. Voilà. Faut en plus le mettre comme ça. Je suis en train de me dire que les colliers à dents, on peut en faire en fait. Donc. On peut peut-être jeter ça. Parce que en plus, en théorie, on devrait pas vraiment en avoir besoin. Parce qu'on va pas vraiment avoir des animaux qui sont là pour faire des dégâts. Des dégâts en tapant. J'ai envie de dire. C'est pas ça. Nous, ils sont là pour faire du dot et tout ça. Très bien, ça on le garde. Donc, j'ai toujours pas regardé. Les torches. Les torches, on peut en faire 20. Ça va, on a la graisse et tout. Oui, bon, ça. On peut en faire 20. Nickel. Ouais, du coup, on y va. Je regarde si j'ai pas autre chose à faire. À la limite. Mais ouais, non, let's go, let's go, let's go, je pense. Donc maintenant, rat. Maintenant, rat. Et après, quand on reviendra ici, le temps qu'on y a et tout ça. On volera les gemmes, ou je sais plus trop quoi, ce qu'il nous faut, et on les amènera autre part. Pour les vendre. Oh, ça. La poudre d'Alazar, non, on en a plus. Il nous faut encore des cordes.
Il nous faudra encore des cordes. Là, on a là. D'abord, on va faire les mecs, là. C'est pas grave. Nickel. Mais ouais, j'ai le problème avec la clé, là. Vraiment que je cherche. Faudrait que je trouve un guide avec tous les emplacements de clés. C'est la seule... Enfin, quoi que non, il y en a d'autres encore de coffres, je crois, qu'on n'a jamais ouvert. Je crois qu'il y en a d'autres. Mais pas qu'ils sont... Mais pas de... tout ce qui est lié à des quêtes, on l'a fait. Par contre, on a ouvert. Genre si c'est des coffres pour deux, ou il y a des objets de quête, ou des trucs comme ça. Ça, on a tout fait, ça. Donc ça, c'est bien. Pas vraiment intéressant. Nickel, très bien. Allez, go. Choléra. Alors, hop, campement. Ce serait bien aussi que le campement... Parce que je sais que le campement change par rapport au... Ouais, j'ai envie de dire le biome. Il nous faut combien de torches? Une... 2, 3, 4, 4. 4, 4, ça suffit. Par rapport au biome, mais ça serait encore énorme si, genre, si on est à côté des rats. Genre, il y a le nid de rats, genre, pas loin qu'on voit et tout ça. Ça serait vraiment super. Je trouve. Ce serait vraiment superbe. Et après... Il y a Orlin à la limite, j'aime bien ses bombes. Lui par contre on peut faire ça. Enfin quoi que j'en sais rien en fait. Oui j'aime bien ses bombes en fait, parce qu'elle fait quand même des dégâts. Voilà. Ah ah ah, Taurus, équipement. Taurus, elle est où lâche. Voilà, ça c'est la hache anti-rat. Honnêtement, il faudrait lui mettre une huile, comme j'ai dit. Il faudrait lui mettre une huile anti-rat. C'est parti. Vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante, le sol tremble. Il y a des toutes petites cinématiques, genre on voit genre 2-3 mecs de notre groupe qui avancent et qui tombent et on... Je sais pas, des trucs comme ça, ce serait vraiment classe. Oh, ça va, c'est un bas niveau ici. Alors... Alors, il y en a un là. Hacker, tu peux t'en occuper. On va mettre les trucs ici. Hein. Tous ici. Là, il y en a un. Wartingo, tu te mets là. L'inquisitrice, elle est bien. Tu te mets là. Will. You, mon Will. Il est là.
C'est qui? Après, c'est toi. Ok, je pense que c'est parti. Ah, c'est pas mal là. On y va? Let's go. Pas mal, on va prendre le bonus de speed. Neige. Il a une, ouais, une torche. Ah, attends, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Non. Non, ça vaut pas le coup, c'est trop petit. Très bien. T'inquiète, le cheval, il a une armure. Taurus, tu mets de brutalité aux gens. C'est pas mal, là. Il y a beaucoup de gens. Il y a le groupe en fait qui va à l'extérieur surtout. Donc ça m'intéresse. Eh, dis-moi, je crois qu'on manque de bravoure. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là 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 là. On va faire ça? Oh. Le manque de bravoure. Oh. C'est quand même vachement bien ce truc d'attaque là qui met fureur aux animaux à chaque fois direct. C'est super. C'est vraiment super. Tout le monde est buffé en attaque et en défense. Très bien. Alors, vas-y. Hop. Parfait. Ça va être l'heure de Will. Oh, Will! Non, mais oh. Très bien. Après, il y en a deux là, et après, il y en a un là. Et on est bon. Oh, j'ai pas changé ton arc. Okay. Ah, après, oui, un truc qu'on peut faire avec son arc à lui. Bon, le feu, c'est bien, ça aide quand même. Donc, à la limite, je préfère le mettre le feu. Mais c'est vrai que là, on peut mettre genre un rhinocéros. Apparemment, mon cerveau a envie de dire rhinocéros.
Donc on peut mettre un rhinocéros. Et après, ça ferait un critique à 100%, donc du coup, il le one-shot à tout. Obligé, quoi. Ah, tiens, il faudrait que je lui mette visée pour voir si c'est vraiment intéressant. On va mettre de la fureur aussi. Je n'utilise pas assez la fureur. C'est bien que ça stack tout ça. Genre brutalité, fureur en plus, galvanisation. On a 109 de dégâts, genre par exemple pour Taurus. Ça va crever de poids de saignement. Ouais, ça va être de saignement. J'ai envie de les laisser là, les cochons. Je n'en sais rien en fait. Oh putain, le lag. Comment tu peux aller loin? Elle se balade. Vraiment, elle se balade. Je suis content de l'avoir build comme ça, honnêtement. Elle contrôle le terrain en fait. C'est super. Vas-y, on va faire ça juste au cas où. Pam 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 pam. Ah ah. Juste autour du trou, là aussi. Okay. Ça marche. Ça serait bien qu'elle ait plus d'attaque un jour ou l'autre. Je sais pas si elle aura... Oui, non, si, si, elle est pas encore... au niveau 8, elle aura autre chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi... Ah, on fait le coup du cheval. En théorie, là, il passe, là. J'espère. Putain, il passe. Ah. Yeah. En plus, c'est vrai que c'est un cheval qui piétine des rats, voilà, quoi. Honnêtement, il y a tout le monde qui meurt. Y a tout le monde qui crève. Ah, un truc qu'il faudrait tester, c'est que est-ce que les rats en feu qu'on fait bouger, genre par exemple avec les bombes là pour attirer les animaux,
Si après ils se mettent côte à côte, est-ce qu'ils se mettent les feux les uns aux autres? Est-ce que c'est considéré comme si c'était leur tour? Ça, c'est une bonne question, ça aussi. Alors là, on voulait faire quoi? Ah oui, à cœur. Ah! Saignement, tu crèveras au prochain tour à la limite. Toi, tu peux arrêter de faire ça. Point de la bravoure. Merci les cochons. Merci beaucoup. Oui, je sais, c'est pas très malin, mais... Hein? Du coup, ça enlève le poison aussi, comme on avait dit, hein. Genre, il faudrait vraiment le mettre au bord, comme ça, ça fait un chemin. 47, putain. Ça fait un chemin et il n'y a pas de poison. Intéressant. Ça aussi, c'est, ça peut être un truc. On enlève le poison par le feu. Et on est inifugé, on prend pas de dégâts. Ça, c'est une très bonne stratégie aussi pour le poison. Pour tout, hein, comme on avait dit. Hein. Merde. Pour tout, hein. Bon, mais il reste plus qu'un nid. On a juste à tuer des trucs. Ah, parce que là, je pourrais la mettre. Genre, elle serait un peu plus offensive. Genre, je la mets en joue. Comme ça, et les rails viennent, et elle fait que tuer. Ce serait intéressant. J'aime bien les lanciers, au final. Je sais pas, ma classe favorite... je sais pas si j'ai vraiment de classe favorite en fait. Ils sont tous vraiment bien dans plusieurs domaines. Genre, classe K est vraiment cool. Toi, on va faire ça. Voilà, rien que pour ça, elle est vraiment cool.
par exemple. Il y a Kirik avec sa grosse masse, bah oui, ça aussi, c'est vraiment cool. Attends, 3. Ils sont où? Ah. Mais j'ai plus vraiment de gens libres en fait. J'ai des cochons, si ça peut aider. Plus ils sont niveau quoi les sangliers? 8. Donc ils peuvent se défendre. Par contre, ça serait bien d'éviter le poison. On va faire comme ça. Merci pour le point. Faudrait que je vois la version augmentée de du mur de lance là. Normalement 6. Voilà. 6 sur 6. Pam pam pam. Ok, on a des nids un peu partout. Alors, si je fais ça. Voilà. Mouais. Pas mal. Ah, j'ai pas regardé si les cochons étaient en danger ou pas. Merde. Je crois que ça va me coûter des remèdes. Ah, peut-être pas. On peut partir. On va juste finir le tour là. Comme d'hab, ça fait des... Ça fait des dents aussi. Maintenant, on peut tenir vraiment longtemps, hein. C'est moi qui me pars en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est bah, c'est chiant, quoi. Mais on pourrait vraiment farmer ça pendant encore 3 tours facile. Hein. Genre après, c'est qu'il y en a de plus en plus, c'est que... Ouais, les cochons, quoi. Pas vraiment envie de balancer tout dans... Tout dans les remèdes. C'est trop bien qu'ils puissent taper deux fois, c'est absurde.
fait. Pam, 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 pam. Oh putain, la distance où il peut tirer. Oh la vache. Ah, j'avoue. J'avoue, comme ça, c'est pas mal. Faudrait voir si ça marche sur l'arme de... L'arme de War. Oh mon dieu. S'il faut, ça marche. Oh, ce serait débile. Je crois que ça serait un peu débile quand même. Si ça augmente le radius de l'attaque. Par contre, full vie, en feu, du coup tu prends cher. Ah merde. Le poison. Ces deux-là, ils vont mourir automatiquement. Je crois qu'on a besoin de buff, par contre. Mais bon, faire encore un tour. Allez, le dernier, le dernier. Le dernier. Après, je vais faire une pause et on va chercher la clé qui me manque, si j'arrive à la trouver. 31. Ah tiens, c'est vrai que... Ouh, c'est la nuit. Le ciel pourrait avoir du boost de dégâts avec son habilité si on l'augmente. Que là, il y en a beaucoup des rats. Joli.
Très joli. Je crois qu'il a encore deux tirs. Non, plus qu'un peut-être? Ou zéro? Ah non, il a fini, je crois. Ah, il a fini. Très bien. Alors, Lucie a joué. C'est au tour de l'inquisitrice. Très bien. C'est marrant ce truc, j'aime bien. J'aime énormément tous les différents événements qu'il y a dans le jeu. Vraiment. Est-ce que Klaska, pardon, est-ce qu'elle a récupéré? Oui, elle a l'huile qui fonctionne, ok. Ça va. Okay, il en reste encore 12. Ils sont tous là. L'effet en chaîne, ça fonctionne. Alors ça, c'est peut-être un peu abusé. C'est peut-être un peu abusé, parce que ça fait critique. Du coup, ça fait saignement. En fait, ça se met en chaîne à la suite. L'un à la suite. Donc, saignement à cause du critique, de la bombe, plus sa poudre, en fait. Enfin, son huile, elle a fonctionné, donc elle a mis poison. Et du coup, vu que c'est des dégâts, alors que la cible, elle a... Ou alors c'est poison peut-être qui a kick en premier. Je sais pas, mais ça a mis fièvre x2. Enfin fièvre normale. Oui, nous on en met 2 à chaque fois. Mais ça l'a mis automatiquement. Ça c'est ouf quoi. Ah ouais, non, là c'est... Là c'est un peu violent. Non, non, là c'est violent par contre. Elle a riposte. Là c'est violent avec une bombe si on arrive à mettre fièvre x2 avec du saignement et du poison. Là c'est... Oui, niveau... Je pense que niveau... Niveau debuff, ça va. Je crois qu'elle joue bien là. Là pas vraiment de problème. Pas de problème quoi. Du coup, il reste plus grand chose de rien. On peut faire ça. Hop. Nickel. Alors, ils vont mourir. Ah bah c'est bon. C'est bon en fait. Hop.
Oui, on va partir. C'est un peu addictif le fait de pouvoir faire de la farm comme ça quand on est un peu plus haut que le niveau du truc. Surtout que il faut. Enfin, on est plus haut, mais faut pas faire non plus n'importe quoi. Ça peut coûter cher au remède si tout le monde se fait contaminer. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, 32. Ouh. Joli. Joli. Non, on tue tous les skis là maintenant et après on se casse. Et ça devient un peu long là. Ah, j'aurais dû. J'ai mal joué par contre. Parce qu'il peut taper encore une fois en fait. Donc du coup, ouais, il me faut le double mouvement. Il est où le niège? Il est là. Nickel. T'as une belle brochette là. Joli. Merde. Qu'est-ce que t'as? La garde de la forêt. Ah oui, du coup là, la moindre chose intéressante. Faudrait voir si on peut pas changer ça. Bon, de toute façon, vu que c'est aléatoire, honnêtement, c'est pas vraiment très intéressant. Ah, les buffs qu'elle peut récupérer des animaux? Pas vraiment bien. Mais là, vu qu'on a que des sangliers et que bon, je pense pas prendre quoi que ce soit d'autre, elle va être bloquée avec gardien de la forêt ou je sais pas quoi, là. Ah, elle peut avoir le truc que quand elle meurt, elle fait des moustiques, je crois. Ah, c'est trop bien. C'est bien. On la fera crever exprès pour ça, pour qu'elle fasse des moustiques. Ah, ils sont les 4 derniers. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7. Ouais, c'est pas les 4 derniers. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
coup. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, c'est la maman. Du coup. Oh! Ah non, elle a des bombes. Merde. Bah attends. J'en connais un qui a pas que des bombes. Bon, déjà, si tu fais du crit, je crois que tu peux les tuer, non? J'en sais rien. J'en sais rien ce que je viens de faire. Par contre, toi. Yes! Go, tire! Feu, feu à volonté! 1. 2. Opportuniste. 3. 4. Yeah, nickel, nickel. Ça, c'est magnifique ça. Opportuniste, c'est les attaques d'opportunité qui ont augmenté. Ouais. Nickel. Bah voilà. Allez, pour une fois, ça va être classe K. Et classe K qui finit ça. Adieu. Et voilà. 131 dents. Ça, c'est bon, ça. C'est très très bon. 131 dents. Ouh, il y a quelque chose à côté de nous. Merde. Oh non, ça va. Ouh, qu'est-ce que je fais? Hop, 50, 107. Ça va? Ah ouais, 131 dents, c'est bien. C'est comme ça qu'on farme les dents. En fait, c'est pas du tout en tuant les animaux. Hein. Toi, ça devait être ça. Niège, ça devait être ça. Voilà, toutes les torches ont été utilisées. Il y a elle qui est encore nickel. Enfin, on les vendra tous les torches. Honnêtement, ça prend de la place pour rien les torches. Parce qu'on a les ingrédients pour les crafter. Toi, c'est quoi que tu vas avoir? Ah non, tu vas même pas avoir deuxième AOE en fait. Non, c'est bête. Ouais, dégâts à l'armure augmentée. Et la garde. On ignorera la garde. Ouais, toi t'es DPS comme ça. Mais ouais, non, Warrington, bah allez, mener aussi. Warrington, alors ça, mettre des bêtes en garde. Mais ça, c'est moins. Ouais, c'est moins intéressant maintenant. Quand cette unité meurt, une nuée de moustiques se forme. Ouais, du coup, elle peut avoir ça. Ou alors, chaque fois qu'une unité annuelle meurt, cette unité gagne fureur. Et c'est tout. Donc pas intéressant. Donc à la place tu pourrais avoir chaque attaque affectée à plus de 8 mètres à distance confère 1 de rage. 8 mètres c'est 8 cases quoi. Après applique fureur à l'animal ciblé. Ça par contre c'est... Ça a pas de points. T'as pas de points. Applique fureur à l'animal ciblé. Ça peut être bien. La rage, est-ce que c'est bien la rage? Que elle tire pas vraiment de très loin. Enfin, quoique, non en fait, oui et non. Parce qu'on essaye d'aligner les cibles. Donc il y en a toujours une qui est proche d'elle et une qui sera très éloignée d'elle en fait. Donc peut-être que à la limite, ça, c'est bien.
Mais j'ai l'impression que Führer, ça peut être plus intéressant. Je sais pas. Bah après, on n'a plus d'animaux qui font très mal. Hein. Ouais, on n'a plus vraiment d'animaux qui font très mal. Si c'était de la défense, genre tu mets de la défense à un animal, honnêtement, je dirais oui. Je sais pas. Ouais, je dirais qu'à la limite, je peux la refaire et lui mettre le frisson de la chasse à la place. Et donc mener, j'ai bien envie de faire sauter ça. C'est quoi? Parce qu'on l'a augmenté en plus. Normalement c'est 4 mètres, là c'est 6 mètres. J'ai bien envie de faire sauter ça et lui mettre piquier. Quand un ennemi traverse la zone, effectue une attaque d'opportunité et stoppe son déplacement. C'est un ciblage, c'est une attaque d'opportunité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Unité peut passer à travers toutes les unités. Il a 25% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. Bof. Quand elle termine son tour, non engagé à la Genfureur, ça c'est bien. Du coup, Führer avec Piquier. Ça pourrait être sympa. Puisque les gens peuvent gagner Führer plus ou moins facilement. Oui, il y a ça aussi. Je sais pas trop. Orline, elle est cool. Désolé, je prends juste deux minutes à réfléchir si on change des persos ou pas. Waringtos, il faut lui enlever ça. Connexion animale sert plus à rien. Enfin, ça servait déjà pas vraiment. Maintenant, ça sert vraiment plus. Je dirais de lui mettre le frisson de la chasse. Parce que la flèche de Déressa, ça dépend des animaux qui sont avec nous. Et là, nous, on projette pas d'avoir des ours. Enfin, plus, en tout cas, d'avoir des ours. Donc, du coup, c'est pas vraiment important. Donc frisson de la chasse pour augmenter ses dégâts à elle. Ah oui, hacker aussi. Cœur les haches. Sont les haches. Allô? Après le reste, je pense que ça va. Peut-être même Liège que des fois je voudrais. J'aimerais bien que certains aient genre le duel valeureux à la place de la posture défensive, mais bon, des fois il tue tellement aussi de choses. Genre là il a tué plein de draps, donc le duel c'est pas vraiment intéressant, c'est surtout le. Ah bah non, Umi il a pas en fait. J'ai rien dit, je me prends la tête pour rien. Donc War est mené, j'ai envie de les respect et voir un peu ce qu'on peut faire avec Piquier. Piquier support. En fait, entre le soutien acéré et le piquier, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Et Will, ce serait le. Ouais, le harponneur, le mec qui tire son javelot et tout ça, là. Il est vraiment différent, ça qui est bien, je trouve. Vraiment cool. Il est vraiment build différemment. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Deux builds peuvent être complètement différents. Enfin, non. Deux mêmes classes peuvent être complètement différents. Ça, c'est cool. Je crois que mes lanciers, c'est mes préférés. Au final. Mes deux lanciers. Parce qu'ils sont différents les uns des autres.
Alors, fais voir les sangliers. Il y en a un qui va y passer. Ouais, le sanglier alcoolique qui va y passer. 23. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Saloperie là qui boit tout le temps. Fais voir les. Oh, ok. Très bien. Les carcasses, on va en garder 15 si on peut faire un deuxième. Deuxième. Potion là. Merde. Ok. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Patauger dans la pourriture pour un si maigre butin. On a perdu notre temps avec ce Nidra. T'es sérieuse? Bon, quand même. Il y a sûrement un moyen de moins dangereux, surtout moins sale, de devenir riche. Mieux préparer le groupe au Nidera, se soulager pour de bon, vomir, exprimer sa crainte aux autres, organiser. Organise-toi, des infesteurs, c'est bien. Voilà, maintenant. Statue retirée après un affrontement contre les invasions des rats. Dégâts contre les excroissances pestiférées augmentées de 50. Bien ça. C'est bien. Peut-être s'arrêter là. Non, je vais faire une pause parce qu'on a encore un peu de temps. Je vais faire une pause et voir comment faire finir ça. Il faut trouver la clé. C'est juste ça qui nous manque. Ça m'embête un peu en fait. Il faut juste trouver la clé. Après, on a cette mission à finir. Enfin, on a juste à aller parler parce qu'on a fini. Le compte du négociant. Il faut là récupérer, acheter des gemmes. Acheter des gemmes, enfin voler des gemmes, c'est la même chose. Donc ouais, je vais faire une pause, je vais voir si je trouve la clé. Je reviens, à tout de suite. Et nous sommes de retour, je sais où il faut aller. Je sais où il faut aller. Je vais aller voir, donc on a toutes les clés ici. Apparemment on aurait loupé une clé ici. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est la scierie de Tiltren. Apparemment, on a loupé une clé ici. Ah, c'est ce que j'ai vu. Donc, on va y aller. On va voir un peu. Merde, j'ai changé. Oh là là. Chaque fois, je veux bouger la caméra avec le mauvais clic. Donc, oh, on doit faire un aller-retour. Alors, on doit rendre ça. D'abord, on doit voler des gemmes. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Corsia. De toute façon, il faut que je vois s'il y a du miel. Ouais, on va partir. Faut que je vois s'il y a du miel. On va retourner à Corsia. Et yes. On va retourner à Corsia. On va récupérer les gemmes. On va être encore poursuivi par la garde et tout. Ça va être fun. Il va falloir blanchir le truc aussi. Oh mon dieu. Ça va être fun, fun, fun. Mais au moins, ça sera fait. Alors, Stromka, des épices, de la fourrure, Amarem. Enfin, ça, c'est des bonnes quêtes qui donnent pas mal d'argent. Tiens, on va chanter un peu, ça va nous remonter le moral. C'est des bonnes quêtes qui donnent pas mal d'argent, mais comme j'ai dit, à chaque fois, il faut avancer l'argent. C'est pas vraiment un problème, on peut, mais voilà, comme d'habitude, vol, c'est bien.
Voilà. Oh! Ouais, maintenant ça a augmenté, c'est bien ça. C'est bien, je vois un peu. Ouais, 14. Et après, un sablier de professeur utilisé par le plus grand professeur des plus prestigieuses universités d'Al-Azhar pour ne pas en enseigner une seconde de trop à leurs étudiants. Pour ne pas enseigner trop, en fait. Ça. Ouais, ça. Hop. Nickel. Donc, faut regarder pour le blé. Non. Putain, c'est parce que je viens de voir blé. Faut regarder pour... le miel. C'est toi qui as le miel à chaque fois. Mais je crois pas... Ouais, t'en auras pas assez. C'est ce que je pensais. Ah, ça se renouvelle pas assez vite. Corde, oui. Alors... On a les gemmes. 100 à 165. Alors après, j'avoue que si on pouvait directement les blanchir, ça me ferait plaisir. Mais du coup, entre 100 et 165, ça va monter à combien? Ouais, non, honnêtement, ça vaut pas le coup. Parce que le pourcentage doit être super bas. Non, comme j'ai dit, ça vaut pas le coup. Je préfère réduire le soupçon. Comme ça, on peut prendre plus de choses. Tiens, parlons de soupçon. Hop. Hop là. Bon, je vais regarder les quêtes. Bon, faut prendre les gemmes, ça c'est du 100%. Faut prendre les gemmes. Tiens. Le poids ça va. Taverne, pardon. Attendez, j'essaye de réfléchir en même temps de plusieurs choses qu'on a à faire. Donc là, toi, tu me dis que tu as des fourrures à marraine. Parce que nous, on va à Corsia. On va faire ça. On va récupérer la clé. On fait demi-tour. Du coup, bon, ça va prendre plusieurs jours, c'est bien. On fait demi-tour. Après, il faut mettre les gemmes à marraine. Donc on va jusqu'à Marheim au moins. Alors toi tu me dis... Il y a aussi des fourrures... à vendre à Marheim. Ok. Donc on peut faire ça. Après il y a des épices à Stromcap aussi. Ok. On arrive à beaucoup d'influence aussi. À un moment il y a une personne qui demandait où un... Ou la preuve que sa femme était morte là, ou alors 2000 d'influence. Je crois qu'on va pouvoir le faire, le 2000 d'influence. Du coup, je veux bien faire ça. Nickel. Bon, on va le faire un jour ou l'autre. Hein. C'est juste que là, on peut se faire un peu pas mal d'argent. Ok. Ok, là on a du 1000. Ok, là on a du 1000 en quête. Donc marché. Donc il nous faut des épices, des fourrures. Et les gemmes, c'est ça? Épices. Fourrure. Et les gemmes, ok. Alors, épices, fourrure, gemmes. Faut lui voler, quoi. Alors, épices, fourrure et gemmes.
Je sais plus la quantité par contre. Genre là c'est quoi? 4 épices, donc on peut pas, on n'a pas besoin de tout voler. Là ça doit être pas 5 fourrures par contre. Et fournissez des gemmes. Ça ferait... Si on vole tout, ça fait quoi? Ça fait 300? Au pire? Ouais, peut-être un peu plus quand même. 118. Je crois que ça suffit là, 265. Je crois que ça suffit. Les épices, c'est combien t'en veux des épices? Les épices, on va les acheter. J'ai envie de... Honnêtement, j'ai envie de dire, on vole tout. Yes, ça a pas compté. Yes. Oh, t'es un as à cœur. T'es un as. T'es un putain de as. Une faible chance que voler ne fasse pas augmenter la jauge de soupçon. Oh là là, tu es un putain d'as. Bon, bon, on a tout ça. Va falloir éviter la garde, hein, putain. Parce que j'ai pas envie de payer pour ça. Là, c'est tout du bénéf. Hein. Si on arrive à tout blanchir et tout ça, c'est tout du bénéf. Hein. Bon, maintenant, on va récupérer cette clé qui est là-bas. C'est parti. Allez. C'est parti. Ok, déjà ça commence bien. Je crois que j'ai une corde qui descend là-bas, non? Là, on peut passer par là. Attends, j'ai pas un pit, ouais. Il est où? Ah, il est là. Là, je le vois à peine. Ok. Parce qu'après, on doit quand même, ça va nous prendre plusieurs... j'ai envie de dire, ça va nous prendre plusieurs nuits. Parce qu'on doit faire des allers-retours, donc on va au moins faire 2 nuits. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On reset notre perso ou pas? Là, on va gagner 1000. Spécialisation. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'était ou war ou mener. War, c'est juste pour lui mettre le frisson de la chasse à la place. Je sais pas si c'est vraiment utile. Et après, mener, c'est vraiment pour lui mettre le mur de lance à la place. Je vais être honnête, je pense pas que ce soit utile maintenant. Je réfléchis, mais... Pam, palalam, pam, pam. Je veux bien tester mener en fait. Enfin, faudrait faire les deux honnêtement. Faire les deux. Je sais que c'est du détail, mais. Peut-être. On va attendre. On va attendre. Pourquoi? Parce que s'il faut, on va trouver des nouvelles spécialisations. Parce que ça, c'est... Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas non plus. Nous, on a deux spécialisations nouvelles. Qui est... Les épées. On a dueliste. Après, on a les haches. Avec barbare. Je crois que c'est tout. Non, et après, on a... l'assassin. Voilà, c'est trois trucs. Donc, possiblement... Tout le monde en a.
des différents. Alors peut-être que c'est pas encore dans le jeu. Donc on va attendre. On va attendre. Donc nous on doit aller là. Ah, j'ai pas rendu ma quête du coup. Mais de toute façon on doit revenir, donc c'est pas grave. On va aller camper là-bas. Ok, très bien. Voilà, si tu peux me blanchir ça, fissa, honnêtement, nickel. On n'a que 5 jours. On va devoir faire un autre port, hein. Notre sanglier. Hein. Et un sanglier ronfleur. Trente-trois, ça va. Tiens, on est lourd, ça fait longtemps ça. Ragoût de porc, attends, 16. Pourquoi je peux plus en faire? C'est parce que j'ai plus de viande ou j'ai plus d'haricots? J'ai plus d'haricots, ça marche. Carbe grillée. Du pain, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Là, il faut du miel, là, il faut du miel aussi. Alors, ah, pas de miel. 3, ça. Les restes humains. Tiens, hop là. On dit 15 carcasses. On en garde 15, pas plus. Est-ce qu'on se buff ou pas? On va pas faire du combat là, donc ça serait un peu du gâchis de se buffer. Voilà, très bien. Allez, blanchis-moi ça tout d'un coup. Allez, les trois. J'allais dire les trois caisses, mais c'est plusieurs caisses en fait. Ok, merci, ça me fait plaisir. Hein? Oh là là, vache. Les mecs sont juste à côté. Histoire de regarder le marché. Ça, je prends ça aussi. Nickel, merci. Poterie de rat. Est-ce qu'on a des missions? Non, on va pas faire ça quand même. Genre prendre encore d'autres missions de vente et tout voler. On va pas faire ça quand même. On n'est pas suicidaire. La poterie. Hein? Oh, par contre, lui. Assassiner la troupe. Nique ta maman. Yes, parfait. C'est plus ou moins où on va. Vite fait, quoi. Voilà, parce qu'il nous faut quand même de l'argent. Je rappelle que... Parce que là, ça va nous prendre beaucoup de temps, en fait, plus pour faire 1000. C'est pas énorme, au final. Alors, j'ai vu un screenshot vite fait, c'était ouf. C'était pas là. Non, c'était pas là. C'était, je crois, en haut. Ah, il y a du bois. Là, là, là. Yes! Parler d'un excellent ferronnier. Cette clé doit déverrouiller les serrures avancées. Voilà, parfait. On a une clé. C'était juste celle-là qui nous manquait, je crois bien. Dans le jeu. Après, bon, il y a la dernière zone, on ne sait pas. Hein, mais...
Voir le poids un peu. Ouais, le poids un peu chaud. On va devoir manger. Ah, on a plein de dents. Vous avez des trucs intéressants ou pas? Non, à part ça, non. On a combien de dents? Presque 500. Ça va. C'est eux? C'est eux. Niveau 4, non! Sérieux? Encore une fois, je crois que c'est parce que ils sont au niveau par rapport à la zone, je crois que c'est ça. Putain, ils sont 8 et ils sont niveau 4, quoi. C'est ouf. Oh. Oh. T'inquiète pas, Willy va te trouver, t'inquiète. T'inquiète pas, Willy te trouve. Voilà. Will le chasseur, il va te trouver quoi. Par contre, on va pas prendre encore de corps parce que là on est. Ok. Maintenant qu'on a la clé, on redescend. On peut couper ou pas? Attends. Bah oui, j'ai un piton. Quand du lac, je me rappelle, c'est vieux ça. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a loupés? Plein de vieux, de trucs qu'on avait au début, quand je connaissais pas trop le jeu. Ouais, ça c'est des trucs volés. Des draps volés pas chers. Oh, des draps volés pas chers. Huh. Oui, des trucs pas chers. 155 les draps. Mais je suis déjà chargé de pas possible, quoi. Enfin, non, moi je préfère voler mes draps. Je préfère les voler moi-même. Je préfère voler mes trucs moi-même. Par contre, fais voir le mouton là, ça m'a rendu lourd. Très bien. J'ai un peu peur là par contre. Ok, ça va. Qu'il y ait de la garde qui se planque. Ouais, j'ai vraiment envie de refaire. Je sais pas. On verra. Si jamais on fait un peu trop d'argent, qu'on arrive à 3000 plus, on le fera. Nous avons précipité le piège dans notre insu. Je vous supplie de nous pardonner. Je vais informer nos supérieurs que votre infortune est enquêtée de mon côté. En attendant, prenez ceci, c'est votre récompense. Nous ne pouvons pas nous vous imputer d'échec à cette mission. L'huile de conversion.
Il est possible que nous ayons encore besoin de vos services à l'avenir. Si vous décidez de ne pas nous tenir rigueur de cette malencontreuse aventure, nous serions très heureux de vouloir à nouveau compter sur vous. Ouais, casse-toi. Alors attends, c'est quoi ça? Chaque fois que cette compétence inflige des dégâts, 30% de chance de rendre de la santé égale à 20% des dégâts infligés. Oh, what the fuck? What? Huh. Sur qui ça peut être intéressant? Lucie? Bon, après, il faut quelqu'un quand même qui se fasse. Qui se prend des baffes, quoi. Enfin, Lucie, elle se prend pas des baffes, en fait. Lucie, elle a toujours son armure. Pour lui en vider l'armure, il faut y aller, hein. Intéressant. Non, en fait, stratégiquement. Enfin. Logiquement et techniquement, c'est pas intéressant. Parce que. C'est très rare qu'on se fasse toucher la vie. Ce qui va toucher la vie, c'est les dots. Et le poison et tout ça. Ça va casser la vie. Attends, on va monter parce que je vais être fatigué. Ça va abîmer la vie. Donc du coup, c'est des petits dots en fait. Et ça, on peut le soigner avec l'habilité, là. Qui soigne... Attendez. Je vais peut-être pas prendre ça, en fait. Ouais. L'habilité qui soigne... qui cure en fait, qui enlève le poison et tout ça et le feu. Donc à la limite c'est pas vraiment intéressant en fait. Après c'est bien, ouais non, pour des gros, très très gros combats, genre des combats qu'on a eu déjà. J'ai envie de dire. Genre la guerre des 30, est-ce que ça aurait pu être utile, honnêtement? Je vais être honnête, même ça, bof. Parce que pour passer sous la barre de l'armure, faut y aller, quoi. Non, je sais pas, je vois pas l'intérêt. En fait, il faudrait une deuxième arme. Ah, ok. À la limite... Oula. C'est quoi ça? Ah non, c'est des machins. À la limite, une deuxième arme avec ça. Et quand on en a besoin... On la sort et on tape avec. Et du coup, comme ça, on peut soigner quand on n'a plus d'armure. Je vois que ça. Mais sinon, après, non. Hein. Je vois pas d'intérêt, en fait, d'absorber de la vie tout le temps. Ça. Putain, c'est même pas sur notre chemin, fait chier. Pas grave, on la fera quand même, parce que c'est beaucoup d'argent. Non, je sais pas. Ouais, non, une deuxième arme, moi je verrai une deuxième arme. Qu'on sort si jamais on est bas en vie. Ouais, ça je le vois, oui. Ça je le vois bien. Mais sinon, c'est tout.
Allez, c'est bon, on va faire ça au moins, on va finir ça. Allô, rentre dedans. Merci. Ah! Descendre. Inspecter. C'est quoi ça? Upferte en fer. Une armure plate renforcée. Du niveau 2, c'est trop bien. Ah! Chronique de guerre. Yay! 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 Connaissance, yes. Bon, ben voilà. Très bien. Très, très bien même. Faire ligne droite. Ah, le miel, le miel, le miel. Plus c'est moins cher. Genre des gemmes. Oh mon Dieu, oh putain, je déteste quand ça fait ça. Genre quand on change, quand on est à la bordure en fait de changer de zone, ça fait un putain de brouillard blanc. D'accord. Ah mais ouais, mais du coup tu le vois pas. Merci. Oh. C'est quoi, c'est léger? Oh merde, oh, on s'en fout léger. Eh, c'est pas si mal, hein. Parce que lui, il a du 6 bleu. Là, c'est du 5 or. Donc, du coup, ouais, c'est pas si mal. On s'en fout, quoi, mais... Ok, il faut se reposer. Y a beaucoup de nourriture qui part hein, quand même. Oh, on a 13 de miel. On peut faire une deuxième potion. Il nous faudrait du loup et des trucs comme ça en fait. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dort, il y a quand même 10 qui part. Il y a 10 kilos qui part. Parce que c'est un cadavre pour une peau. Cent points d'expérience à l'entraînement. Putain, c'est pas mal. Par contre, je voudrais bien blanchir des choses. Petite crampe d'estomac, rien de grave.
Les loups arrivent bien à manger cru, pourquoi pas moi? Mais on n'a pas mangé cru. Un remède. Qu'est-ce que vous racontez? On a mangé cru? Vous êtes con ou quoi? Vous avez pas monté la même... Vous avez pas bouffé la même chose que tout le monde? Qu'est-ce que vous dites? Ok, on va aller faire la potion. Et puis du coup un remède en plus, hein, parce que monsieur avait mal au ventre. Dira, putain j'avais oublié. Dira. Ah je suis content de pouvoir faire deux potions là. C'est vrai que. Oui non là ça va. Là ça marche bien. Là. Hop là. Nickel. C'est super, là c'est super. Là aussi, tu me vends ces merdes là. Ah nickel. Voilà, on a perdu en poids aussi. Donc on peut les garder du coup. C'est 10 en tout. Je pense que ça va. Parce qu'on a quand même... Si c'est 5 la caisse, on a 5 x 5, je crois. Je crois, hein. Et on a 5 fois ça, donc ça fait 5 x 25 en poids qu'on doit rendre, je crois. Je crois. Bon, pour lui, le... Ah oui, attends. Ça. Je vais acier. Ça, il faut l'apprendre plus tard. Donc. L'huile de promptitude. Renforcement infectieuse. Il n'y a pas la conversion. Je sais pas s'il y a conversion. Genre qu'on ait 60% de que ça marche. Mais bon, je sais pas à qui. Je vois pas vraiment l'intérêt de la mettre à qui que ce soit. Pour le moment. Ça va. On n'a rien de nouveau pour le moment. Qu'on attende là ces trucs là. Est-ce qu'on a les trappeurs, ils sont où ici? Ok, la meute. Est-ce qu'on a tout récupéré de la meute? On va dire. Genre leur vente et tout ça là. C'est vrai que ça aussi il faudrait vraiment tout vider à chaque fois. Genre les recettes et tout, qu'ils veulent nous donner. Il y a quelqu'un là. C'est pas très loin, allez, on y va. Ah! Là, ça m'intéresse. On avait dit quoi? Je sais plus. Je sais plus ce qu'on avait dit. Sûrement un courroux à quelqu'un. Et viser. Viser à War. Ça c'est quoi? Nouvelle compétence, courroux. Mais c'est du mêlée. Oui non, mais du mêlée. Viser. Ah, très bien. Et après un courroux à quelqu'un. C'était quoi? Mener qui peut être utile aussi. Parce que Mener, elle a pas vraiment beaucoup d'attaques. Ouais, merci. Merci bien.
Ah. Dégâts infligés aux animaux augmentés de 20%. Le réconfort du paysan. C'est 48, c'est bien. Nickel. Et ouais, parce que ça aussi, il faut pas. Sinon, j'oublie, moi, en fait. Le confort du paysan. Donc, c'est le. Ouais, t'as joué, c'est porridge, quoi. Putain, mais c'est chiant à faire. Ou mat fin aux pommes. C'est très chiant à faire, tout ça, en fait. À chaque fois. Mais là, ça serait vachement bien. Mouvement, maximum de points de bravoure. Augmenté de plus 2. Oh là là, ça tue. Oh, ça tue. Du miel, quoi. On n'a pas des masses du miel, on a 3. Faut camper Corsia en fait. Complètement pour le miel. Faut camper Corsia, c'est un peu relou. Faudrait qu'il y ait des moyens de récupérer plus de nourriture. Enfin, plus d'un type de nourriture, je sais pas. D'accord, super. Genre là par exemple, truc nouveau c'est quoi? C'est le confort du paysan, du porridge. On peut en faire qu'un seul, c'est super. Le confort du paysan. Ça pète. Ça pète. On aurait 15 du coup. Ben voilà, c'est bien parce que 14 c'était un peu bizarre quand même comme chiffre. Donc du coup on aurait 15 dans... de trucs, c'est bien. Le lait ça va, le blé aussi c'est rare. Incroyable quoi. Par contre, niveau argent, je crois qu'on commence à descendre un peu. Ah, il y a les apothicaires aussi. Faut qu'on leur achète toutes leurs. Bon, toi, t'as plus rien. Remettre contre la peste. On doit être bon normalement. Ils sont où mes remèdes? Ah, là. Peste, fin, 20-20. Ok, on peut partir. Merde. Se fait les esprits, histoire d'avoir du porc et... Oh! Oh yes! Histoire d'avoir du porc et du loup en même temps. Ah, ça tombe bien là en plus. Ça tombe bien. Musique dépressive là.
ça. T'inquiète pas que la musique va vite changer. T'inquiète pas. Liège. Guerre déclarée. La musique, putain, qui s'arrête, quoi, c'est fou. La rembobine. T'inquiète pas, elle va vite changer pour nous. Regarde, moi, ce monstre, quoi, qui défonce tout le monde. Attends, Noël, j'aurais pu aller là et le faire attaquer. Favorite. Ouais, genre 8 mètres. 8 mètres pour un truc. 8 mètres, c'est quoi? 6, 7, 8, j'irai là. Ouais. Si je fais ça, ça marche avec. Alors attends, je vais où là? Je vais jusqu'au loup fantôme. Si je fais ça. Oh, oh. Oh là là. Oh là là. Est-ce que lui... Oh, est-ce que lui... Ça marche la visée. Oh mon dieu, il faut lui mettre visée. Oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il faut lui mettre visée. Parce que Will, ça dit les attaques à distance appliquent des stabilisations. Donc c'est une attaque à distance. Je sais pas, pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas augmenté par visée en fait. Chaîne d'Alazar. Oui, on va pas attendre le cauchemar. Dégager non plus. Mettre visé sur Will. Oh, Finlam, yes. Ça, c'est bien, ça. C'est bien pour lui. Nickel. Ah merde, faut se reposer. On est bon ou pas? Ouais, ça va. Donc, viser à Will. Intéressant ça. Oh, attendez. Mettre, ajouter, visser à Will. Je l'ai marqué. On va le garder de côté, ça. On n'a pas assez à manger, hein. On n'a pas assez, hein.
falloir virer le truc. Ce sont les cochons qui nous donnent genre nettement plus. Putain, des putains de rats les cochons là. J'avoue que là, ça devient vachement intéressant. Donc, il faut la respécialiser, là. Bien. Il faut la respécialiser et mettre le truc à 8 mètres, en fait. Ça va, arrêtez de nous faire la gueule, là, les machins. Il y en a un qui ronfle, il y en a un qui ronfle, hein, qui fait que je vous dise. Ok, go go go. J'avoue que j'aurais pas pensé que ça marcherait en fait sur une arme comme ça. Je suis en train de faire quoi là? Attendez, parce que là on a fini. On a fini ce qu'on voulait faire. Du coup, je suis en train de faire quoi là? Camp des trackers, on va aller là. Et là en fait, je voudrais donner mes quêtes, mais les objets sont pas blanchis donc on peut pas encore. Donc on devrait mettre fin à la vidéo en plus, parce que c'est en deux parties pour moi, du coup il faut que je... Le temps va être long en fait. On va voir le camp des trackers. Si on a des trucs à prendre ou pas, mais normalement... Ouais, on est bon. Donc viser à Will et respect pour respect pour War et mener aussi honnêtement les deux. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. La prochaine fois... On commence à être bas en argent, honnêtement. On n'arrive pas à monter. On n'arrive plus à monter. C'est trop bien. J'arrive pas à faire les quêtes. J'arrive pas à finir les quêtes. On devrait avoir 1000, je crois. Corsia, la poterie. Allez, ça va nous remonter le moral. Non, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Et après... Merde, super. La prochaine fois, on va... Je pense traîner ici un peu. Histoire de se faire un peu d'argent, vite fait. Ça va être très rapide. Peut-être un peu durer aussi... Pour pouvoir dormir et potentiellement blanchir ce qu'on doit donner. Très bien. Blanchir ce qu'on doit donner. Comme ça, on peut se faire de l'argent. Ouais, parce que là, on est à 2800, mais on doit donner 400 encore. Donc on est encore en dessous des 2005. Donc c'est relou.
On n'avance pas vraiment. Et je voudrais respé deux persos. Je voudrais acheter des nouveaux... Encore des nouveaux livres. Putain, je veux faire plein de trucs. Pff, chier. Je dois faire plein de trucs. On a vraiment zéro argent. En fait, on a rien à vendre, rien du tout, quoi. Ah, on va s'arrêter là. Et il nous faudrait des cochons niveau 8 aussi. Des sangliers. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ouais, comme j'ai dit, on va essayer de tenir un peu là. Parce que je voudrais bien donner les épices. Me faire un tout petit peu d'argent. Le marché noir, je sais pas où il est ici. Le refuge? Non, j'en sais. Non, refuge, il n'y a plus personne, je crois. Peut-être la tour abandonnée. Je sais plus où est le marché noir ici. Je voudrais vraiment pouvoir faire ça. Et ouais, respécialiser là les deux persos qu'on a. Donc on voudrait changer monnaie pour tester un peu. Là, sans le... Parce que le cri de ralliement, c'est sympa, mais bon. Je voudrais tester le mur de lance. Et je voudrais que War, elle ait le frisson de la chasse, du coup, parce qu'elle va quand même commencer à tirer à plus de 8 mètres plus facilement et plus souvent avec la visée. Et on veut mettre aussi visée sur Will. Voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est débile. Enfin, c'est débile. Non, c'est fun, mais waouh, quoi. Il a bientôt fini Forgeron. Encore heureux qu'on lui a mis ça. Bon, il est un peu stupide, oui. Hein. C'est pas, il est bourrin, c'est normal. Mais on aura bientôt aussi fini Forgeron. On pourra récupérer des nouvelles choses. Genre ça, là. Les trois ici. Ah bah le 7 aussi, de Forgeron Compagnon, là, le quatrième. Ouais, tout ça, là. Ça aussi, on pourra le forger. Sûrement de l'équipement niveau... 10, 12 peut-être? Parce que ça c'est 8. C'est 2, 5, 8. Après c'est quoi? 10 peut-être? On verra. On verra, on verra. Voilà, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.